midi, Escoven. Eddie Escovado veut que tu amènes sa starlette de télé-novella préférée pour une fête. Deuxième loi de la thermodynamique. Pour l'instant, tout il va part falloir toujours en couille. Si on s'en tire, je fais ma tournée. Ma super VIP, Mia Valera, la star de la télé. Tu l'as déjà vu. Son deuxième prénom, c'est Sophistication. Enfin, non, c'est terrible, mais bon, enfin bref. Ce kidnappeur, un certain Rolando, il s'est fait prendre par l'Unidad. Il leur a juré qu'il savait que dalle, et ils l'ont lâché, ces cons. Alors tu me chopes ce bouffon, et tu découvres où il a emmené ma super chérie. Tu fais tout ça pour moi, et tu deviens officiellement numéro uno de tous mes potes. Je t'envoie un SMS avec les dernières coordonnées connues de Rolando. Des grosses bagnoles, le BCBG de base, quoi. Ça doit être Rolando. Arrête la caisse et fais-lui comprendre qu'il doit t'aider à retrouver la petite chérie d'Escovado. Alors, trou de balle, tu vas me dire où t'as planqué la fille ou je t'offre une séance SM de l'extrême? Ah, mais je vois pas de quoi tu parles. Il y a erreur sur la personne. Eh oh, là, j'ai rien fait. L'actrice de la série télé, Mia Valera, celle qui joue dans Paradise Street. Où elle est? Comme si je matais une telenovela à la con. Laisse-moi tranquille. Il faut que je rentre prendre mes cachets. J'ai le cœur fragile, moi. Je supporte pas les chutes et puis les chocs violents. T'as le cœur fragile? Tu supportes pas les chocs? Alors on va faire une petite balade. Suelta-me, cabrón! Te vas a morir! Te vas a morir! Deja que me suelte, hijo de tu puta madre! Deja que me suelte! Arrête! Arrête! Arrête!
Je l'ai vendue, cette pouffe. J'en avais marre de l'entendre se plaindre non-stop. C'est les Sinalma qui l'ont acheté. Ils l'ont emmené à la prison de la Ratonera. Tu vois aussi. Attends, relâche-moi. Oh, mais avec grand plaisir. Cible. Attention aux environs immédiats. Ratonera, le piège à souris. La pire des prisons boliviennes après San Pedro. Je te conseille de pas traîner. Sniper, en haut de la tour. Jamais 203. Je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs. Un sniper en haut de la tour. J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Ça nous amène à 10. Je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs. Je bute les chats et je trouve la souris.
j'arrive à tes cibles. J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Sicario sanguinaire. Question alliée, je connais pas mieux. Amigo, tu flaires la chatte comme ces gonzesses flairent la thune. Maintenant, veille bien sur la Starlet pour moi. Il y a une bagnole qui t'attend dehors. Et fais vite, j'ai une demi-molle rien qu'en pensant à cette bonasse. On descend tous du singe, mais certains ont loupé l'arrêt. C'est Eddie qui m'envoie. Vous, contre tous ces types. C'est du Eddie tout craché, ça. Prêt à miser sur le premier connard venu. Bien sûr, monsieur Escudo ne peut pas serrer les mains, non, non. Ce crétin doit être en train de zoner dans une base militaire en cherchant une pauvre pétasse quelconque à s'enfiler. S'il croit qu'un coup, je vais encore venir à faire fête à la con, il se fourre le doigt dans l'œil. Je me fous de ce que mon manager a conclu avec le sien. Rien ne me fera changer d'avis. Une star de ne peut pas être vu avec des criminels de bas étage. Peu importe qu'ils soient connus ou pas. La classe, ça... ça ne s'achète pas avec 70 millions d'abonnés. Ni avec des montres en diamant. Ni avec des voitures de sport, ni même avec des repas à la Delicatessa et des vacances en Europe. La classe, c'est... c'est une affaire de goût, de style, de culture, putain. Et à votre avis, est-ce qu'il va y en avoir de la culture à sa fête? Non. Il y aura que des... à son bikini et des gros pauvres qui prennent Picasso pour une bagnole et Garcia Marquez pour un boxeur. La dernière fête où j'ai dû aller, c'était déjà comme ça. Et celle d'avant aussi. Eh bien moi, j'en ai plein le cul de ces soirées à scandale pour les bas du front. Merci du fond du cœur, amigo. Avec Mia, je vais pouvoir attirer plein d'autres jolies starlettes. Elle, c'est l'amuse-bouche. Quand la fiesta sera lancée, il y aura plus de chattes en chaleur que dans une exposition féline. Eddie, il va créer un putain d'embouteillage sur le net. Allez, à plus tard, terreur.
reçu. Les narcos arrivent sous peu.